Salut, c'est Théo. Salut, c'est Audrey d'Aslingdrew. Salut, c'est Spark Dice. Et bienvenue sur Insomnes. Aujourd'hui, on va faire le tag de Noël. C'est parti. Alors, comme vous le savez, c'est Noël. Et donc, pour cette occasion, on a voulu répondre aux questions du Christmas tag. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas à répondre en même temps que nous dans les commentaires. Je pense qu'on peut commencer, il y a 10 questions. Ok. Vous êtes prêts? Oui. Quelle est votre chanson de Noël préférée? Moi, c'est... Ça de Marie Carré. Oh la même pour Christmas. Mais oui. Bah oui, j'allais dire la même chose. Mais on va changer. Voilà. Mais tellement. Un classique. Ou moi, alors, j'adore, c'est Santa Tammy de Ariana Grande. Ah yes. Moi, ouais. C'est Under the Mistletoe de Justin Bieber. Oui. Ah ouais. Parce qu'en plus, c'est une original. J'avoue. Ah ouais, j'ai mais pas originaux, genre. Non, de ouf. Quoi? Mais bon, un classique quand même. Ouais, mais c'est un classique. Un classique. La musique de Noël, pour moi, c'est celle-là. Ouais. Voilà. D'ailleurs, pour Noël, on a fait un clip à Disney pour le Téléthon. Donc, c'est la chanson Noël rêvé de Bilal. Je sais pas si vous avez entendu. Bien sûr. C'est trop cool. On vous mettra le lien du clip du coup en barre d'infos si vous voulez le voir. Maintenant, deuxième question, quelle est votre boisson préférée pour les fêtes? Alors moi, c'est le gingerbread latte de chez Starbucks. Donc gingerbread, c'est genre gingembre. Je sais pas ce que je bois, mais en tout cas, je bois, j'adore. C'est les petites boissons spéciales de Starbucks. Mais c'est du gingembre. Mais genre... Une boisson chaude de gingembre comme ça, c'est chelou, mais oui. Mais ça, même, ouais. C'est pour Noël, mais c'est pas trop bien. Non, c'est pas au gingembre. Ginger, tu crois c'est quoi? Gingerbread, c'est pain d'épices. Ouais, je pars d'épices, tu vas bien. Bon, en tout cas, moi j'aime beaucoup cette boisson. Au gingembre. Au gingembre. Ouais, moi aussi, celle-là j'aime bien. En plus, quand chaque fois je la bois, à chaque fois je suis en mode yes, le gingembre, j'adore. Ah ben merde. C'est pas grave, t'auras appris quelque chose aujourd'hui. Une boisson au pain d'épices, et enfin, en tout cas, moi j'aime bien le goût, fin, ouais. Parce que moi le chocolat chaud ça passe mal. Ouais, moi ça me saoule le chocolat chaud. Moi c'est, moi, c'est chocolat chaud. Ah non. Justement. Moi j'aime bien le latte noisette aussi. Yes, ah oui, c'est bon ça. Ouais. Après ça dépend des gens. Et avec un peu de, genre, de chantilly cinnamon. et des petites. Des petites perles dorées. Les petits chamallows là, ouais. Je raconte. Non, mais on n'a pas les mêmes valeurs. Les perles dorées. Mais chez Starbucks, on a des petits copeaux dorés. Je suis en train tranquillement de raconter ce que je mets sur mon chocolat. Des perles dorées, c'est bien, tais-toi, on s'en fout. Voilà, bon, chamallow et perles dorées, voilà. c'est un parfait mélange. Oui. La troisième question, c'est quel est votre film de Noël préféré? Alors moi, c'est Maman, j'ai raté l'avion, comme beaucoup de gens, je pense. Arrête. J'aime tellement... Maman, j'ai encore raté l'avion, ouais. Plus le bus, wesh. Ouais. Bon, en tout cas, moi, j'aime bien ces films, ils passent tout le temps à la télé, de toute façon, à Noël. Et C'est le film qui passe le plus, je crois, à Noël. Ouais. Exactement. Sur toutes les chaînes. Moi, je dirais que c'est... Alors, c'est un film que j'ai regardé quand j'étais gosse, mais je regarde tout le temps, c'est le Grinch. Ah, monsieur, vous connaissez ouais, pas. Je vois ce quoi. Le Grinch. Ah non, merde. Mais dites-moi si vous connaissez le Grinch. Oui, on connaît tous le. C'est le truc vert là. Oui, oui, c'est ça. J'ai jamais regardé. Je vois pas ce que c'est. Oh, moi, c'est le film de mon enfance, Grinch. Et toi? Moi, là, comme ça, j'ai pas. Enfin, comme toi, j'aime bien et tout. Enfin, j'ai pas un film en tête, mais en général, j'aime trop regarder les films de Noël à la télé. Les téléfilms. Genre, j'aime trop. Genre, c'est. Je pense c'est la période de l'année où je suis le plus devant la télé. Il y a ça, il y a les Disney, par respect. Vraiment. Avec un petit thé. Mais oui, t'es là dans tes couettes et tu regardes ton film de Noël. Genre en mode ouais. Thé au gingembre. Alors, quel est... Quel est votre musique préférée? Alors, quatrième question, quel cadeau souhaiteriez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Attends. Cadeau souhaiteriez-vous avoir ce soir? Ce soir? Je panique. Alors, quatrième question, que voulez-vous pour Noël cette année? Un voyage de ouf, genre j'aimerais trop, tu sais, un voyage. J'allais dire un voyage aussi, ouais. Mais moi j'ai fait une liste de cadeaux. Alors. Ah, le gars il est déjà... Ah, il a si fait ça. Vous voulez m'offrir quelque chose? Franchement, j'y ai pas encore pensé. Et toi? Moi, personnellement, je sais vraiment pas du tout. C'est vrai que quand on était petit, on était là, je fais ça, ouais. Je fais ça, la console, ouais. Ça. Genre, est-ce que vous, dans les catalogues, vous entouriez genre oui, les cadeaux? Oui, on découpait, ouais. On faisait des lettres au Père Noël, qu'elle allait à la poubelle. J'avais pas vu ça cet angle, ça fait mal au cœur. Moi, j'aime bien aussi les box personnalisées qui racontent une histoire, genre genre de calendrier. Un swap. Oui, voilà, ouais, ouais. Ah, et mentionnons-le, ce qu'on aime tous entre youtubeurs, des swaps de Noël. Ah ouais, c'est trop bien. C'est génial. On doit dire pour la communauté YouTube. Quelle est votre tenue préférée pour Noël ou bien pour les vacances de Noël? Enfin, moi j'aime bien, genre tu sais, me mettre dans une combinaison, enfin je sais pas, tu vois, genre devant le canapé. J'allais dire pareil, une combinaison One Piece. Ouais, pas. Ah oui, grave. Les combinaisons grave. Intégrales, genre. Moi je pensais plus un truc rigolo, tu vois. Ah oui, genre ce genre en mode dans Rennes ou quoi ça. Tu sais, c'est vraiment les journées où t'es là, t'es assis, tu fais rien et t'es posé. Et puis t'as la maison, il pleut de pyjama. Ouais. Toi t'es au chaud avec les animaux, tu regardes les téléfilms de Noël. Le mood Noël. La prochaine question, je vais la lire, elle est un peu longue. Préfères-tu t'amuser dehors dans la neige ou rester au chaud à l'intérieur avec une boisson chaude? Rester au chaud. Ouais, mais oui. Ah, moi c'est plutôt l'inverse. Aller dans la neige. Quoi? Bah, parce qu'en fait, moi. Il y a jamais de neige. Ah, mais à cette période, je pars au ski.
tu vois. Mmh. Et du coup, ça me rappelle les moments avec ma famille où, genre, on est dans la neige, on fait des batailles de boules de neige et tout. Cool. Du coup, pour, enfin, tu vois, ça me, c'est, ouais. je sais pas, c'est une bonne ambiance et tout. Mais après, je sais pas, en région parisienne, la neige aujourd'hui, elle est grise. C'est moche. Lui, il rentre avec son taux, genre. Mais tu rentres avec son taux, genre. C'est vrai. Non, moi, non, je suis bien chez moi à regarder des films, des séries Netflix ouais, en Noël, entière. Pour moi, c'est vraiment synonyme de vacances posées, genre, c'est de devant repos. Les films et tout. Enfin, ouais. C'est vraiment ça, tu vois. De calme. Genre, si à la neige, je sors juste le premier jour et c'est tout. De sérénité. Ouais, vraiment. De bien-être, oui. De bonheur, okay. De méditation. We get it. De relax. Emballer les cadeaux, plaisir ou galère? Coussi, coussa. Ça dépend en fait, ça dépend du cadeau. Ouais. On est ça dépend pour qui surtout. Un cadeau rectangle et carré. Ouais. C'est fait. J'avoue, un truc ovale avec plein de formes. Juste imagine emballer genre une bouteille de vin, une horreur. Bah tu mets ça dans une boîte. Moi, vous savez ce que c'est ce que technique. Je fais. C'est la tu mets, technique. Non, tu mets dans le papier cadeau, après tu t'enroules genre comme un bonbon. Mais c'est une horreur. C'est trop moche ça. Ouais, ouais, c'est moche. C'est vraiment les gens qui ont la flemme, mais je l'ai fait. Non, mais c'est cool. Non, mais après. Non, en vrai, tu sais, quand t'as un bel emballage, t'es trop fière, ouais. Du coup, t'aimes trop, mais quand tu galères, bah non. Genre, mais franchement, plaisir quand même, parce que. Enfin, moi, ça me fait. En fait, c'est vrai, genre à Noël, je préfère genre, offrir des cadeaux quand ouais. on se marre. Et voir la réaction des gens. Ouais, voir leur tête et tout. C'est vraiment mon plaisir ça. Genre, je m'en fous si j'ai pas de cadeaux, du moins que j'en offre aux gens qui sont contents. C'était vraiment gentil ce que j'ai dit. Voilà. Mes parents m'ont donné un billet pour dire ça. Dernière question, ce que vous préférez pendant la période de Noël? Moi je dirais genre tout, mais l'ambiance tu vois, surtout dans les rues, tout est décoré, tout le monde a ses gros habits. Ouais, faire les boutiques. Et puis, c'est vraiment ouais. une période magique. C'est ça, c'est une période magique et les gens sont joyeux je trouve à Noël. Exactement. C'est une belle période et puis t'es avec ta famille et tout, enfin, je trouve que c'est une super belle période. Bon bah j'étais content d'en apprendre plus sur vous, sur comment vous vivez cette période de Noël. En tout cas j'espère que vous avez répondu dans les commentaires parce que ça nous intéresse. Ouais. Sinon faites-le maintenant et n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de... notification et joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes.